Mais dis donc, c'est qu'il neige aujourd'hui. Regardez-moi ce ciel tout blanc. Je pense pas que ça tienne. Oh bah on change pas une équipe qui gagne. Monsieur est là. Tout compte fait, je vlog. Nous sommes le lendemain. Si vous avez suivi le vlog d'hier, je me dépêche et je vais aux impôts pour résoudre ce problème qui peut devenir un problème. Je vais faire en sorte que ça ne le devienne pas. Je vais mettre un... Je suis quand même un petit peu en tenue qui n'est pas de saison. C'est mon petit haut qui fait effet bretelle, je l'aime bien. Je file au trésor public, bébé. File au trésor public. D'accord, bon courage. Ouais. Alors ça, c'est bien, mais je viens de le sortir de l'étendeur. Et avec la couleur, ça fait des petites pluches. Mais bon, c'est pas... Et il a... Bah oui, je vous ai montré, il a neigé. Mais ça s'est arrêté. Donc là, ça va se transformer en pluie. Ça va être tout moche. C'est un... Il est possible que je reste une bonne heure. Hein, il y a du monde. Je suis rentrée. C'était moins long que prévu. Bon, j'ai réussi. Oh, le soulagement, on avait reçu un courrier disant qu'en fait, il y a une erreur. La mensualité pour le paiement de taxes foncières, taxes d'habitation avait sauté en fait. Et qu'il fallait payer en une fois, je pensais pour l'année 2022 du coup, on n'aurait plus de mensualisation. Et en fait, il me dit non, c'est bon, tout a été résolu, il y a eu un petit bug. Donc ça, c'est cool. Il est possible que vous vous demandiez, et non, c'est toujours pas réparé parce que... parce qu'en fait, je crois que... arrête bébé, les techniciens sont sur d'autres chantiers, je pense, hein, je vois que ça, parce que voilà, ça prend un petit peu de temps. Et ça, vous vous demandez donc, parce que ça a quand même tout abîmé, hein, le mur, hein, tout va être fait, parce que là c'est tout jaune, forcément, il y a une fuite, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quand on a installé la fibre, ils ont percé un tuyau, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus tout ça, et, il y avait un trou aussi de l'autre côté, et ils vont tout refaire. Et ça fait 6 mois. Voilà. Et également, si vous vous demandez, ceci, c'est la tringle de la porte d'entrée qui a sauté. Donc il faut qu'on remette tout avec Eric, enfin qu'on recolle en fait. C'est à ce niveau-là normalement. Mais voilà, rassurée, je déteste quand j'ai un truc qui me tracasse ou un truc qu'il faut que qui n'est pas réglé, il faut absolument que je le résolve, sinon, sinon je dors mal, je suis pas bien. Parce qu'Eric aurait plus tendance à faire l'autruche, à procrastiner. D'ailleurs, là, il m'a remercié, il dit « Ah, c'est cool !» Ah, je déteste ça quand il y a un problème qui n'est pas résolu. Voilà. Qu'est-ce que je devais faire? Ah, bah oui, peut-être commencer quand même. J'ai un petit peu de temps, là. Il est 11h30. C'est du délire, c'est passé trop vite. J'ai un peu de temps, parce qu'après, j'enchaîne cet après-midi, j'ai des petits rendez-vous. Donc j'aimerais bien descendre le sapin de Noël. Je pense que je vais commencer à le mettre. On est le combien? On est le 3. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je viens de sortir le sapin. Et j'ai récupéré les décos qui sont là-dedans. Ah, ça y est. Il a tout repéré, lui. Je suis en train de le structurer. Et une fois qu'il sera complètement décoré, je vous montrerai le résultat. Voilà. Toutes les petites décos. C'est l'heure du café. Et quasiment tous les jours, ils jouent à la baboule. Donc ils font du tennis. Tu reprends à quelle heure, ton ami? Ah, dans 15 minutes. Bilou, la baboule. Bilou, la baboule. Ça y est, j'ai terminé. Alors, j'aime pas les guirlandes. Là, j'ai mis les filaments de LED. Donc, c'est lumière un peu chaude, hein, jaune. Et j'aime bien. Donc, tu les fais un petit peu tomber partout. Tu harmonises un maximum. On est sur une dominante de rouge, de beige, du gris. Un peu de bleu, il y a vraiment de tout, hein. Les petits sucres d'orge, le gilet. Tu en penses quoi du sapin? Il est très joli. Tu dis ça pour me faire plaisir? Oui. Oh, sérieux? Bah oui, je suis pas du tout sans... Alors moi, je vais te dire un truc. Regardez. On m'a dégoûté de Noël. J'adorais Noël, ah ouais, et on m'a dégoûté de Noël. Ah ouais? Ouais, ça fait 2 semaines que dans tous les centres commerciaux, il y a déjà des... C'est vrai, ça je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Des chocolats, des machins. C'est vrai, c'est vrai. Quand une fête familiale devient une fête commerciale, je n'adhère plus. Non mais alors, là je te rejoins parce que quand, dès septembre, limite fin août, t'as déjà les décos de Noël, j'avoue. Mais tout ça c'est du marketing, c'est... Non, non, c'est pas tout ça, c'est... Je pense que lorsqu'on réduit comme unique objectif à une population simplement de consommer... Il faut consommer. Noël, c'est consommer. La Saint-Valentin, c'est consommer. La fête des mères, c'est consommer.
Et ben moi, je n'adhère plus, parce que pour moi, je ne suis pas un consommateur, je suis un être vivant. Et un être vivant, et ben, il aspire à d'autres choses. Non, mais donc cette année, tu ne veux pas de cadeaux ? Non. Bon, bref, il m'a plombé Noël. C'est pas des cadeaux que je veux, moi, c'est être avec en famille, avec les gens que j'aime, et passer un excellent moment. C'est le bon. Cadeau, faut arrêter, c'est avec cadeau. Oh, je t'offre un truc, ça va. Ouais. C'est quoi cette société où on consomme tout le temps ? C'est bon, lâchons. Bon, je lui demanderai plus ce qu'il pense du sapin, hein. Bah non. Oui, merci bébé de m'avoir apporté des piles, parce que là, il commençait. Les filaments sont pas très très. Je vous montrerai tout à l'heure le rendu, enfin, quand il fera nuit, et vu qu'il fait nuit à 3h10, ça devrait pas tarder. Bon, après m'avoir plombé Noël, j'ai mis également cette guirlande. Donc, par contre, elle est lumière blanche, donc je pouvais pas la mettre avec le sapin. Mais comme je la trouve mignonnette, je ne l'ai pas mis l'année dernière, donc je vais éclairer, vous allez voir. Je trouvais ça joli. Alors au début, je l'avais installé tout autour là, du miroir, mais non, ça faisait bizarre, ça faisait un peu kitschoun. Donc c'est pas mal. Je vous montre. Ah là, j'adore. C'est mignon. Attends, parce que je me décale pas trop parce que il y a la poubelle qui est juste là. Il va falloir que je la décale, la poubelle, c'est plus possible. Tu en penses quoi, mon Jackie ? Comme ton père. C'est beau, hein? De plus près, regardez. C'est des petites plumes. Des petites plumettes. C'est ravissant. J'ai hâte d'être ce soir devant une petite série à manger plein de chocolat. Je monte. Le monsieur est parti. En même temps, le pauvre, il y a eu de la neige ce matin. Il y a de la pluie. Ça pèle. Il y a du vent. Il a dit je me barre, c'est pas possible. Non, Jack. Il est en train de jouer avec le déco de Noël sur le sapin. Je me rappelle plus de ça, j'étais en train de faire. Je suis en train de m'avancer, je fais les tableaux Excel de toutes les commandes. Hop, des box de Noël pour m'avancer. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de commandes. J'ai 3 feuilles comme ça avec tous les noms. Donc je pointe tout. Parce qu'il reste. On est le 3, il reste combien 6 jours pour la commander. 6-7 jours. Donc je m'avance un max. Là j'ai commencé à appeler les productions. Je leur dis au fur et à mesure le nombre pour que bah, ce soit nickel et que je reçoive tout à temps et que vous ayez tout à temps. J'aime trop. Oh non, je suis jamais tranquille. Oui, allô? C'est à quel sujet? Tout à fait le même. Non? Mais vous avez mon numéro comment, en fait? Je suis sur liste rouge. Voilà, c'est mieux. Je peux les cocher, je peux les compter, je pense qu'on est beaucoup. Tous les jours. C'est limite du harcèlement, le truc. C'est fou, hein? Mais... Je suis sur le montage de ce vlog, mais personne m'a prévenu. C'est quoi, ça? Une petite tache blanche. Ça, en faisant le sapin? Ouais, c'est bon. Impec! Quant au petit carton... Bah, je vais être obligée d'en refaire. Ah, attends, on est quand? Ah oui, non, effectivement, c'est pas à jour. On est vendredi 3 décembre. Oui, je vais être obligée de refaire des cartons. C'est plutôt cool. Mais je pensais pas autant. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux à la commander. Elle est top ici. Mais comme je disais, toutes les boxes qui arrivent... Aussi bien celle de la nouvelle année, donc janvier, celle de la Saint-Valentin et du même mars, printemps, là je suis en train... Je le disais, du pépitas, des pépitas. C'est un plaisir. Voilà, je vous le dis clairement, je ne sais pas comment vous le dire, c'est un plaisir de sélectionner, de composer chaque box. J'adore faire ça. Les 16h, j'entends le Gaëri qui est parti goûter en loose day. J'entends les céréales. Ça se passe bien les céréales? De goûter en loose day comme ça? Ils sont vraiment bien ceux-là, ils sont pas trop sucrés. Oh, tu le sens quand tu les manges, les Nesquik. Est-ce que je peux te piquer tes Nesquik pour le goûter? Ouais. Il en reste au moins? Bon, je vais me faire ça. Les vacances de Noël avancées d'une semaine en Belgique. C'est un peu nos voisins quand même. Ça sent pas très bon tout ça. Comment? Ah, tu es ok. Quoi? Il ferme les écoles mais il laisse les barres ouvertes. Ça va. On devrait prendre s'inspirer un peu plus de. Alors, je vous montre le petit sapin, comme prévu. Moi, j'aime bien. Je finaliserai 2-3 petites choses et je pense que je mettrai
Ah si, peut-être au niveau des poignées de porte. Faut que je ressorte, j'ai des trucs jolis. Et la guirlande que je vais mettre, comme je fais d'habitude, la verte, avec des feuillages tout le long du... qui fait d'ailleurs des éclairages, tout le long de l'escalier, j'aime bien. Et la petite guirlande, voilà, donc c'est une autre ambiance. C'est pour ça que c'est assez compliqué, là ça fait bleu, mais en fait c'est vraiment... ça rend pas de la même façon, c'est blanc. Si je mets avec le lustre, ça fera comment la lumière? Parce que c'est loin la détente. Oh, tu aimes cette ambiance toi, j'ai l'impression. Pas comme ton père. Mais il plaisante en fait. Je préfère quand il... Bon, même si oui, c'est un peu abusé au niveau des magasins, les trucs. Mais il adore ça. Mais oui. C'est parce que je lui ai mis la caméra sous le nez. Il s'est dit bon, je vais dire un truc. Et voilà. Il n'a pas tout à fait tort. On est d'accord sur certaines choses. Mais il n'est pas contre du tout les cadeaux. Il en fait, il m'en fait. Je pense que ceci va être la finalité de ce vlog. J'ai l'impression que ça se transforme en vlogmas tout ça. Mais je ne mets même pas la pression. Voilà, s'il n'y en a pas demain, il n'y en a pas demain. Je vais tout faire pour. J'ai trouvé un rythme, je crois. J'ai l'impression. Je me dépêche. Il faut que je fasse le montage. Parce que je vous dis, je travaille en flux tendu. Nous sommes le 3 décembre. Je vais la publier le 3 décembre. C'est chaud. C'est chaud. Mais bon. Ça va le faire. Je vous fais un gros bisou et je vous dis peut-être à demain. Salut.